Alors, pour le montage de cette microspent qui est montée sur un hameçon en taille 26, je vais utiliser un fil nano 18 dixièmes puisque j'aurai besoin d'un fil plutôt fin pour ne pas rajouter de la surépaisseur inutile sur des tailles aussi petites d'hameçon. Et cette soie, je vais l'amener à la courbure de l'hameçon. C'est un fil qui est très petit mais qui offre une belle résistance. Je suis toujours étonné d'ailleurs de la résistance de ce fil malgré sa toute petite taille. Donc on amène le fil à la courbure et ensuite je vais utiliser pour faire le corps une pointe de cul de canard. Cette mouche, elle va être faite avec des ailes en fibre de cul de canard et un corps en cul de canard. Donc j'ai pincé sur une pince une fibre de cul de canard. J'en ai extrait d'un côté une touffe qui me servira pour réaliser l'aile. Et la partie qui est non utilisée de la plume quand on extrait les fibres, je vais la réutiliser pour fabriquer le corps. Donc je positionne cette petite pointe sur la hampe de mon hameçon. Je ramène la soie sur l'œillet et j'enroule cette fibre qui va me donner, comme ceci, un corps qui sera en plus extrêmement flottant puisqu'il est fait en fibre de cul de canard. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai fait trois tours. Ensuite, on enlève l'excédent. Si vous aviez une fibre qui présente beaucoup d'aspérité comme ça, vous pouvez éliminer toutes les parties inutiles. Et comme on va faire un spent, je vais séparer la partie les fibres de cul de canard que j'ai prélevées préalablement grâce à un fil polyfloss que je positionne sur mon hameçon. Je fais un spent parce que ça me permet d'avoir une mouche qui, malgré la toute petite taille, occupe un peu plus d'espace sur l'eau et puis qui, je pense, est un peu plus visible pour le poisson. Donc je vais récupérer mes fibres de cul de canard. Alors c'est pas la peine de mettre énormément de fibres, là j'en ai presque beaucoup d'ailleurs. C'est pas l'objet, c'est pas d'avoir une mouche extrêmement fournie, hein. C'est simplement d'avoir une toute petite mouche qui va permettre de saisir des poissons quand ils sont extrêmement difficiles. Et je vais la fixer en son milieu. En la fixant en son milieu, ça me permet, surtout si j'ai très peu de fibres, de rabattre la partie de fibres supplémentaires vers l'arrière. Et donc comme ceci, avec très très peu de fibres, d'avoir quand même suffisamment de matière pour réaliser une aile. Ce sont ensuite ces fibres que je vais partager en deux, alors en essayant évidemment, dans la mesure du possible, de faire un partage équitable de part et d'autre de mon fil polyfloss. Je ramène donc le polyfloss vers l'avant et je vais faire la tête de ma mouche. En fait, c'est une mouche qui est assez simple à réaliser. La seule difficulté, c'est vraiment la taille de l'hameçon. Voilà. On va faire ensuite un nœud final. Et on équilibre de part et d'autre, hein, les fibres pour faire une aile qui soit le plus intéressante possible. Alors elle sera forcément de toute petite taille. Il ne faut pas qu'on ait une grande aile, là, ça ne présente aucun intérêt. Puisque tout doit être en cohérence par rapport à la taille de l'hameçon, évidemment. Et puis maintenant, on a une toute petite pointe de vernis pour consolider le nœud final. Voilà, donc c'est une mouche qui est vraiment, évidemment, qu'on ne peut pas utiliser dans des courants, dans des endroits où c'est vraiment tumultueux, mais sur des endroits assez calmes, où les poissons sont devenus sélectifs parce que beaucoup sollicités, vous avez là un modèle qui peut être quelque part peut-être un des rares moyens de saisir une truite ou un nombre particulièrement difficile.